Salut, ici Marco Valzac de Solid State Memory. La vidéo que vous allez voir est une conférence sur l'histoire des synthétiseurs dans les BO de science-fiction. J'ai eu la chance de participer en tant qu'intervenant au festival Hypermonde, qui a eu lieu à Bordeaux en octobre 2021, et on m'a aussi demandé de jouer plusieurs de mes musiques issues de mes deux albums, avec d'autres musiciens. L'idée, en fait, c'était de proposer quelque chose qui soit en rapport avec ma musique, mais aussi en rapport avec le thème de cette convention. Les synthétiseurs dans l'histoire de la science-fiction, c'est un sujet vraiment très très vaste, j'aurais pu vraiment en parler pendant plusieurs heures. Le problème c'est que là on était un petit peu limité au niveau du temps, et puis comme c'était la première fois que je présentais une conférence, je manquais un petit peu d'éloquence en quelque sorte. Donc forcément j'ai fait beaucoup d'approximations et beaucoup de raccourcis, toujours dans le but que ce soit accessible à ceux qui ne sont pas habitués à l'univers des synthétiseurs. Si le sujet vous intéresse et que vous avez vraiment envie d'approfondir ça, vous verrez sur la vidéo, j'ai mis plusieurs vignettes avec toutes les références sur lesquelles je me suis basé pour préparer cette conférence. Et j'ai mis aussi tous les liens des vidéos YouTube dans la description. À l'avenir, je pense que je ferai une vidéo vraiment format YouTube, beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée, histoire que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, voilà. Bon visionnage. Alors, l'histoire des synthétiseurs à travers la science-fiction. Vous le savez vraiment, hein, c'est... Les synthétiseurs, c'est ce qui définit vraiment le son de la science-fiction, surtout dans les années 80-90. Donc on va voir pourquoi, en fait, ces deux formes d'art, hein, est complètement liée aux œuvres de science-fiction, en fait. Donc là, c'est un petit peu le sommaire. Donc on va voir l'invention des premiers instruments électroniques, dont la thérémine. Donc ça a 100 ans, hein, donc il y a 100 ans d'histoire de musique électronique au service de la science-fiction. On verra toute l'évolution des technologies, des synthétiseurs dans les années 70, 80, 90. Invention de la thérémine. En 1920, donc par Léon Thérémine, qui est russe, c'est l'un des tout premiers instruments électroniques qui est très particulier parce qu'en fait, il utilise le champ magnétique et notre corps, qui est chargé électriquement, en fait, va perturber ce champ magnétique qui va créer une forme d'onde. Donc en fait, il y a deux antennes. Il y a une antenne qu'on contrôle avec la main gauche, donc qui va contrôler le volume, et la main droite va contrôler la hauteur de note. C'est un instrument qui est énormément utilisé dans les films de science-fiction, invasion extraterrestre des années 50. Là, on va écouter. Alors, je ne sais plus lequel c'est. Là, on va écouter le jour où la Terre s'arrêta, donc une démonstration du thérémine. Pourquoi il ne le lance pas? Ah bah oui, t'as coupé le volume, Bruno, forcément. Donc voilà, le son typique de la thérémine avec cette espèce de vibrato un peu creepy, hein, qui fait vraiment... C'est tellement ancré dans la culture populaire que dès qu'on parle d'invasion extraterrestre, systématiquement, on met de la thérémine. À un tel point que même en 96, Tim Burton, quand il a fait Mars Attack, bien des années après, il a vraiment réutilisé les codes de la science-fiction des années 50 pour inclure de la thérémine dans cette œuvre-là. La planète interdite. Alors ça, ce film-là, c'est quand même très intéressant puisque c'est peut-être la première fois dans l'histoire où la technologie et la science en fait ont influencé les BO de science-fiction. Alors, le compositeur de la musique, hein, qui s'appelle Louis Baron, en fait, a été énormément influencé par un livre qui est sorti pendant les années 50 par Norbert Wiener, donc Cybernetic and Control and Communication in the Animal and the Machine. Vous excuserez mon accent anglais. Et en fait, c'est un livre que je n'ai pas encore lu, mais je compte vraiment lire parce que c'est très intéressant. C'est le livre qui a posé les bases de l'intelligence artificielle, de la cybernétique. D'ailleurs, le terme cybernétique a été inventé grâce à ce livre-là. Dans ce livre-là, il y a des explications très techniques sur comment fabriquer des oscillateurs pour la communication entre certaines machines. Et Louis Baron, en fait, a utilisé ce livre-là pour justement composer la première BO entièrement électronique dans l'histoire de la science-fiction, en fait. Donc là, on le voit en train de travailler dans son studio avec des technologies d'époque, en fait. Là, on voit qu'il travaille sur des... Ça a l'air d'être des lampes, hein. Les transistors n'existaient pas à l'époque, hein, donc c'était vraiment avec des composants, avec la technologie de l'époque. Je m'y connais pas trop en électronique, mais là, je pense qu'on reconnaît un pont de diode. Hein. Ça, c'est un manuscrit qu'il a fait pour construire ses oscillateurs, hein, ses propres oscillateurs. Et étonnamment, dans ce film-là, il n'y a pas de thérémine. Alors que c'est typiquement un film des années 50, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de la thérémine, mais en fait, pas du tout.
Voilà, sa musique est presque brutiste en fait. On écoute un extrait. Voyez, c'est très particulier, donc il y a utilisé beaucoup d'effets, des délais, des reverbs, donc il fait passer la bande à l'envers, donc pour mettre ce son très, très synthétique hein, finalement. Vient l'arrivée des années 70, donc là on a l'arrivée des premiers synthétiseurs modulaires, hein, donc les grandes marques, Moog, ARP. C'est la première fois qu'on maîtrise ce qu'on appelle la synthèse soustractive, on y viendra tout de suite après en fait. Les synthétiseurs modulaires ont ont ce défaut de juste faire la taille d'un meuble, c'est juste intransportable en fait, tellement c'est énorme. Là donc on voit un Moog modulaire, alors modulaire dans le sens où on peut vraiment moduler les enchaînements comment dire, des éléments. On peut mettre d'abord des oscillateurs, puis des fils de fréquence, puis des résonateurs, etc. Donc on peut vraiment le câbler un petit peu comme on veut. Alors il présente beaucoup de défauts, c'est qu'il est monophonique, donc on peut faire qu'un seul son à la fois. Il est très sensible à la température, donc il se désaccorde, on est obligé de les réaccorder, et puis c'est juste intransportable en fait. Donc c'est un petit peu compliqué. On voit pas très bien, mais juste brièvement ce que c'est que la synthèse analogique soustractive. On parle de synthèse analogique dans le sens où c'est vraiment des composants électroniques qui fait, ce n'est pas un ordinateur ou un processeur. Donc avec des diodes, des résistances, voilà tous ces composants électroniques, on fait des formes brutes en fait. Donc ça peut être un signal sinusoïdal, un signal triangle, un signal carré, etc. Donc avec toutes les harmoniques ici, qu'on envoie dans des filtres. Donc là, des filtres qui vont modifier toutes les harmoniques du son, donc plus ou moins grave, plus ou moins aigu. Voilà, je résume brièvement, mais voilà ce que c'est que la synthèse soustractive. C'est tout ce qu'on a dans les synthétiseurs des années 70 et 80. Le cas de rencontre du troisième type est intéressant, en fait, parce que on voit très bien dans le film, donc l'opérateur dont j'ai oublié le nom ici, en fait, utilise un ARP 2500. Hein, donc ARP, c'est une marque américaine, un pareil synthétiseur modulaire. Ils ont sorti par la suite l'ARP 2600, qui est la version portable, hein, j'allais dire. À côté de ça, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est juste gigantesque en fait comme matériel. Et en fait, il y a une légende dans ce film-là qui dit qu'on a utilisé l'ARP pour faire le fameux thème de Rencontre du troisième type. Alors en fait, pas du tout. C'est l'orchestre de John Williams, si je dis pas de bêtises. Vous me corrigez hein, si je dis une bêtise. C'est bon? Ah, monsieur me corrige, merci. Et en fait, non, bah, c'est juste un son de clarinette. Mais effectivement, dans le film, on voit bien le son de l'ARP. On écoute tout de suite le thème de Rencontre du troisième type. Donc on entend bien que c'est un son de clarinette, hein, c'est pas du tout un son synthétique ça. L'arrivée des années 80, donc les synthétiseurs polyphoniques portables, bon, ça reste quand même assez imposant, mais à côté de ce qu'on avait avant, ça reste vraiment portable. Là, on a vraiment fait un bond technologique. Là, on est dans la polyphonie, on peut jouer plusieurs notes en même temps. Il y a beaucoup plus de fonctions. On est presque dans le semi-modulaire, hein, dans le sens où on peut vraiment mettre des filtres de fréquence, des filtres de résonateurs, tout ça, tout ça. Là, quelques images des synthétiseurs de légende hein, utilisés dans ces années-là. On a un SCI Prophet 5, beaucoup utilisé par John Carpenter. On y reviendra tout à l'heure. Un OBRM OBXA. Le son de l'OBRM, vous le connaissez sans le savoir, c'est Jump de Van Halen, hein, tout simplement. Ça a été utilisé par ce synthétiseur-là. Le Roland Jupiter 8, donc pareil, un synthétiseur légendaire qui se négocie à des prix, mais c'est juste inimaginable à quel point ça coûte cher maintenant. 12 000 euros. Ouais, 12 000 euros, c'est ça, on a vu sur Reverb, 12 000 euros, Jupiter 8 maintenant. Et le Yamaha CS80, donc ça c'est le synthétiseur qui a été utilisé beaucoup par Vangelis en fait. L'arrivée dans les années 80 aussi, il y a une grosse révolution technologique, c'est la synchronisation avec des boîtes à rythme. Donc des boîtes à rythme, c'est des petits modules comme ça, donc sur lesquels on peut programmer des patterns rythmiques avec des sons particuliers. Là, on a la célèbre Roland TR 808 qui a cette particularité d'être analogique. D'ailleurs, Alain, tout à l'heure, a utilisé un son de TR 808. Hein. C'est bien ça, sur Crystal Fate, exactement, quoi. On a une SCI Drum Track, j'ai la chance d'en avoir une à la maison, c'est une excellente boîte à rythme. Lindrum, pareil, Lindrum, c'est un truc qu'on a énormément utilisé dans tous les tubes de pop-rock des années 80. Et cet avantage-là, en fait, c'est par du voltage control, donc c'est-à-dire avec un câble jack, en fait, on peut vraiment synchroniser les boîtes à rythme avec les arpégiateurs et les séquenceurs des synthétiseurs, en fait. Là, nous avons, je parlais de Vangelis, donc Vangelis dans son studio, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Blade Runner, hein, tellement c'est connu. Donc là, c'était justement à l'époque où il travaillait sur Blade Runner. Là, on a une Roland CR5000, donc pareil, boîte à rythme analogique, on a un émulateur
C'est le, non, c'est le 1, c'est pas le 2, ça c'est le 1 parce qu'il n'était pas sorti en 82. On y reviendra tout à l'heure sur l'émulateur 1 parce que c'est la synthèse à table d'onde, donc ça c'est un petit peu différent. Là on peut apercevoir son Yamaha CS80, donc un son très particulier, un Prophète 10. Un Prophète 10, c'est littéralement deux Prophètes 5 dans la même boîte, c'est pour ça qu'on a deux claviers et plein d'autres synthétiseurs. On écoute tout de suite la BO de Blade Runner. Donc là, on entend bien ce son aigu que vous avez, ça vient vraiment du CS80. C'est un son vraiment particulier, en fait. Parce que pareil, il y a plein des fonctions de trémolo, des fonctions de chorus, donc qui donnent vraiment le caractère de ce synthétiseur-là. Et pareil, on va écouter donc le thème de fin de Blade Runner. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend justement cette fameuse boîte à rythme, donc la CR5000, qui est analogique, hein, comme la TR-808. Et la particularité, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi le séquenceur qui est synchronisé. Qu'est-ce qu'on a après? John Carpenter. John Carpenter, donc on est tous très très fans ici, nous trois, de New York 97. John Carpenter qui est l'un des plus grands génies, on peut même pas dire de la musique, du cinéma, on peut juste dire de l'art, en fait, hein, parce qu'il fait ce que j'adore dans les Carpenters, c'est que c'est vraiment très artisanal, hein, que ce soit le film ou la BO, donc tout est fait dans son studio avec des bandes, vraiment avec des bandes magnétiques à l'ancienne. Il a énormément utilisé le Prophète 5, hein, avec le Prophète 10. Il a beaucoup composé avec Alan Watts, hein, qu'on voit tout de suite après. Donc voilà, il est en train de programmer, je pense, sa Lindrum LM2. Il y a une LM1 en bas. Encore un Prophète 5. Là, il y a un séquenceur optionnel de chez Sequential Circuit pour synchroniser le Prophète 5 avec ses boîtes à rythme. Ça, je pense que c'est un ARP, peut-être 2600 ou Odyssey, je ne sais pas trop, en fait. Donc voilà, nous écoutons tout de suite le thème de New York 97. Non, je me suis trompé. Voilà, donc là, ce qu'on entendait, c'était vraiment le Prophète 5, hein, pareil, synchronisé avec des boîtes à rythme. L'arrivée des années 80 aussi, c'est beaucoup de séries qu'on peut assimiler à la science-fiction, hein, même si c'est pas vraiment la science-fiction pure, mais tout ce qui est à base de technologie, surtout des machines de guerre, bah, vous les connaissez tous, hein, tous ces thèmes-là. On va les écouter quand même, juste par curiosité. Le thème de Airwolf, évidemment. Il me semble qu'il y a beaucoup d'Oberheim, hein, qui a été utilisé pour l'Airwolf. On entend très bien le séquenceur, hein, synchronisé avec la boîte à rythme. On va écouter le thème de K2000. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals. Et le thème de Street Hawk, donc Tonnerre Mécanique en français, qui a cette particularité d'être composé donc par un groupe d'électro très connu de l'époque qui s'appelle Tangerine Dream. Ah, le DX7 83, donc grosse révolution technologique, le Yamaha DX7. J'ai la chance d'en avoir un à la maison, c'est un synthétiseur fabuleux, pour peu qu'on sache le régler, parce que c'est pas facile à régler. Là, on est dans une autre forme de synthèse, on est dans la synthèse à modulation de fréquence, donc c'est complètement différent de la synthèse analogique, on va y revenir. Alors, pourquoi le DX7, ça a été vraiment une grosse révolution dans ces années-là, puisque avec ce synthétiseur, on commençait à avoir des sons réaliste. Alors je mets réaliste entre guillemets parce qu'on est en 83 quand même, ça n'existait pas. Il y a encore les synthétiseurs à table d'onde qui simulent des orchestres, des violons, des cuivres, tout ça, tout ça. Mais le DX7, c'est un son très brillant, très percussif en fait. C'est beaucoup utilisé pour émuler des sons de cloche, des sons très très métalliques en fait. Et c'est l'un des synthétiseurs les plus produits de tous les temps. En fait, c'est très simple. Si vous écoutez, j'allais dire, n'importe quel tube de pop ou de synth-pop entre 83 et 87, c'est quasiment à coup sûr, c'est du DX7.
Alors pourquoi 83 et 87? Parce que le DX7 est sorti en 83 et en 87, il y a eu le Roland des 50 qui a un peu ringardisé le DX7 en fait. Et si vous regardez tous les clips de New Wave et tout, il y a très forte chance qu'il y ait derrière, il y a un DX7 derrière. Le Roland des 50, je crois que c'est l'accroche de flûte de Ushuaïa. Qui s'en souvient, oui. Du Roland des 50. Oui, oui. Alors, on en parlera justement tout à l'heure du Roland des 50. Pareil, plein de tubes des années 90 ont été faits avec le Roland des 50, mais c'est ça. Mais c'est une autre technologie encore, le D50. C'est la table d'onde, donc c'est un petit peu différent en fait. Et aussi la révolution du MIDI. Alors, le MIDI, c'est un peu comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand on synchronisait des boîtes à rythme et des synthés. C'est purement analogique, hein, donc c'est des signaux hein, qui. Des signaux qui synchronisent les machines. Là, on est dans le numérique, en fait. C'est une information numérique qui est envoyée d'un synthétiseur à un autre, pour peu qu'on programme bien sur le bon canal. Et la synchronisation est beaucoup plus précise, en fait. On peut vraiment faire beaucoup de choses, quoi. La synthèse à modulation de fréquence, donc je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en fait, nous avons une sinusoïde, puisque le DX7 ne fonctionne qu'avec des sinusoïdes. Bon, les synthétiseurs FM qui sont arrivés après peuvent moduler avec beaucoup d'autres signaux différents. Mais le DX7, c'est vraiment des sinusoïdes qui sont modulés par d'autres sinusoïdes. Donc on modifie la fréquence de ce qu'on appelle la carrière, hein, donc l'opérateur qui donne la note finale. Donc vous voyez, un signal modulé par un autre, donc ça donne une toute autre forme d'onde. Et donc l'architecture du DX7 se compose comme ceci. En fait, on a des algorithmes. Donc les algorithmes, c'est la manière dont sont superposés tous les opérateurs. Donc les opérateurs, c'est une sinusoïde qui module une autre sinusoïde, etc. On peut les mettre en boucle, comme ici. Je ne rentre pas trop dans les détails, parce que ça peut être très très compliqué, hein, la synthèse FM. Nous écoutons le thème de Running Man, où on entend un son très caractéristique du DX7. Vous entendez ce son très brillant, c'est qui se démarque vraiment de la synthèse analogique. C'est des sons qu'on ne pouvait pas faire avant la sortie du DX7 en fait. Le thème de Dune, qui a cette particularité d'être composé par le groupe Toto, hein, qu'on voit là, donc l'un des frères Porcaro, qui justement est en train de prendre la pause avec son DX7. D'ailleurs, il y a le film, le nouveau Dune, hein, qui va sortir. Alors, je ne vous ai pas ressorti le thème de Dune qu'on connaît tous, mais j'ai vraiment sorti quelque chose où on entend vraiment le grain typique du DX7 en fait. Ouais. Vous entendez ce son très particulier derrière, un peu noyé dans la masse, avec un son très synthétique, mais synthétique dans le sens plastoc en fait. C'est le DX7 sonne un petit peu comme ça. C'est vraiment très particulier, hein. Si vous êtes un peu dans les synthés, les claviers, je vous invite à en tester un. C'est un monde à part, je vais dire, dans le monde de la synthèse. Les années 90, donc les synthétiseurs à table d'onde, on parlait tout à l'heure du Roland des 50. Là, on a Roland des 50, donc il a un petit peu rendu obsolète le DX7 hein, quand c'est sorti en 87. Et en 88, on a le Korg M1, donc, qui est dérivé sur la Korg Wave Station, pareil, énormément utilisé par Genesis, tous ces groupes-là et tout. Ça a vraiment été énormément utilisé. La synthèse à table d'onde, c'est complètement différent. Donc là, c'est des micro-samples. Donc c'est des pré-enregistrements, mais juste d'une seule longueur d'onde en fait, qu'on superpose les unes après les autres. Donc on a une table d'onde, on appelle ça une table d'onde, hein, justement le séquençage de tout petits bouts de son en fait. Une table d'onde pour l'attaque, donc l'attaque c'est le son percussif qu'on a tout au début dès qu'on appuie sur une touche. Et on a une autre forme d'onde, donc on met en boucle pour le sustain, qu'on peut moduler avec plein de choses. Donc c'est une technologie complètement différente. Là, on n'est plus dans le synthétiseur pur, on est plus dans la workstation. Donc là, on peut vraiment sampler ce qu'on veut, en fait. On peut vraiment sampler tous les sons qu'on veut. Et c'est le Korg M1. Il y a les premiers vrais sons de piano réaliste, les sons de cordes, de trompettes, etc., etc. Forcément, les synthétiseurs à table d'onde, les Japonais sont spécialistes, hein, Roland, Korg, etc. Nous écoutons la BO d'Akira, dans laquelle on entend très très bien le Roland des 50. Il me semble qu'il y a du DX7 aussi derrière ça. Voilà, on enchaîne tout de suite sur Ghost in the Shell.
Donc ça nous permet d'avoir ce son très, très planant, hein, très, très caractéristique en fait du son de ces années-là. On sent que c'est un son qui n'est pas. Écoutez, hein, les BO des. Bah, de toute façon, là, on a un petit peu fait ici. Hein, dans les années 80, le son est complètement différent de ce qu'on faisait dans les années 90. Il y a vraiment une modernité incroyable, hein, dans ces synthétiseurs-là quand c'était sorti. Le thème d'X-Files, qui a été composé sur un émulateur, donc Emu, hein, donc c'est une marque américaine qui a fait l'émulateur 1, l'émulateur 2. Il me semble que c'est l'Emu qui arrive après, je ne me souviens plus du nom, mais c'est vraiment la table d'onde, hein, ce qu'on entend ici. Ouais. C'est pas celui-là. Donc le son de sifflement, ça vient de ce genre de machine en fait. Alors, le cas de Terminator 2 est très intéressant parce qu'en fait, le compositeur de la musique de Terminator 2 a utilisé une station qui s'appelle la Fairlight CMI. C'est l'un des premiers, donc c'est sorti en 85, donc le film qui est sorti en 91, la station était déjà un petit peu obsolète en fait. La technologie, ça va tellement vite qu'au bout de 6 ans, bah, c'était déjà devenu un peu ringard, mais dépassé techniquement en fait. Et c'était l'un des premiers synthétiseurs à table d'onde dans lequel on pouvait sampler nous-mêmes nos sons. Donc on pouvait enregistrer une source et le sampler. Et de par l'ordinateur, il calcule lui-même tout seul les tons et les demi-tons. Et en fait, ce qui est très caractéristique, c'est que plus on va dans le grave avec un sample, en fait, il commence par les aigus. Et quand il va le retranscrire dans le grave, il va tellement détendre le son qu'on va avoir des artefacts numériques. Et si vous écoutez bien la VO de Terminator 2, on entend vraiment des espèces de décrochages numériques. Qu'on entend les aigus, c'est une espèce de sifflement un peu bizarre, et ça colle très très bien avec l'ambiance de Terminator 2. Vous entendez, hein, ces sons très graves, très distendus, avec une espèce de sifflement numérique derrière. C'est avec une machine comme ça qu'on a réussi à avoir ce son-là. Petit aparté sur les jeux vidéo, parce qu'il y a énormément de bons jeux vidéo de science-fiction. Donc là, c'est plutôt des consoles qu'on avait dans les années 80-90. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça utilise exactement les mêmes technologies de synthétiseurs pour faire des sons à l'ancienne. Donc la NES, la Master System, c'est de la synthèse analogique, comme les tout premiers synthétiseurs qu'on a vus. On écoute par exemple le thème de Mega Man 2. Là, c'est des formes d'ondes très très brutes, hein. Il n'y a pas de filtre ou quoi, il me semble qu'il n'y a que très peu de voix, il doit y avoir 4 ou 5 voix, 2 pour les aigus, 1 pour la batterie et puis pour les effets sonores. D'ailleurs, on l'entend quand on a trop d'effets sonores en même temps, il y a des voix qui décrochent et on n'entend plus la musique des fois sur ces vieilles consoles. La Mega Drive, ça c'est de la synthèse FM, c'est comme un DX7, le processeur c'est un Yamaha justement, donc c'est un processeur FM, 4, je crois que c'est 4 voix, non 4 opérateurs du coup, mais avec beaucoup plus de voix. Là, on écoute le thème de Probotector qui est la version contrat européenne. Parce qu'en fait, pour question de droit, ils ne voulaient pas que ce soit des guerriers qui tuent d'autres bonhommes, donc ils les ont remplacés par des robots, mais sinon c'est vraiment la version contrat européenne en fait. Ouais. Vous voyez ce son brillant, presque agressif en fait, de la synthèse FM, ça c'est vraiment typique de ces machines-là. Et si vous avez vécu les jeux vidéo dans les années 90, il y a eu la fameuse guerre des consoles, hein, les pro Sega, les pro Nintendo. L'argument qui revenait souvent pour la Super Nintendo, c'était que le son était bien meilleur en fait. Et ce pour une seule raison, une raison purement technique, c'est que la Super Nintendo utilisait de la synthèse à table d'onde. Donc on a des sons beaucoup plus réalistes en fait. Donc là, on écoute le thème de Star Fox. Voilà, bon après il y a plein d'autres technologies sonores sur les consoles qui sont arrivées après, mais je me suis vraiment concentré sur les plus importantes, hein, les consoles les plus marquantes. Et dans les années 2000-2010, donc il y a un revival, hein, quand même assez conséquent de tout ce qui est culture, pop culture des années 80, donc forcément avec l'esthétique sonore qui va avec aussi. Donc vous connaissez tous Stranger Things.
qui, pareil, la BO a été composée sur des vieux synthétiseurs du Juno 60, du Prophète 5, tout ça. Kung Fury, donc, qui est un film qui a été lancé avec un financement participatif, beaucoup de références de la science-fiction et tout, excellent film. Pareil, la BO a été faite par Mitch Murder, un grand groupe de synthwave. Oui, puisque en fait, tout ça, en fait, ça découle un petit peu de la mode de la synthwave, ce style électro qui reprend beaucoup de codes des années 80, dont on fait un peu partie au final, hein, puisqu'on est un peu assimilé à cette scène-là, hein, nous, Solid State Memory. Cyborg Daily Machine. Alors, il n'est pas très connu, ce film-là, mais la BO a été faite par un artiste qui s'appelle Meteor, et je vous invite à bien écouter son premier album, parce que c'est grâce à lui que j'ai eu cette révélation de dire: ah ouais, je veux faire de la synthwave. Donc du coup, Solid State Memory n'aurait pas existé sans Meteor qui a fait cette BO-là. Et Cyberpunk 77, hein, très connu pour dans son bad buzz, j'allais dire, pour ses problèmes techniques lors de son lancement, mais pareil, beaucoup d'esthétique à la Blade Runner, Akira, tout ça et tout, c'est vraiment des grosses influences du jeu, et pareil, BO purement synthwave. Donc voilà, comme beaucoup de choses, la mode est un cycle, et du coup là on est vraiment dans un revival des années 80. Et voilà, ben je vous remercie de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas, alors je ne sais pas si on aura le temps de voir un petit peu des questions. On déplace juste le matériel pour laisser la place au suivant. Et puis n'hésitez pas à rester si vous voulez qu'on parle de tout ça et poser plein de questions. Je vous remercie. Juste une petite précision, c'était la première fois qu'on jouait ensemble, hein, puisqu'on a, oui. On a essentiellement... C'était notre premier concert. Pour être honnête, une très bonne chose, une moins bonne chose. Mais justement, on va travailler ça, et si on peut être là l'année prochaine et avoir un step-up en prestation, ce serait cool. Merci.